Good morgen, Aleid, on étudiera aujourd'hui le Lunishmat, Mour Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah bat Hanan Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah, ainsi que l'Irfouat, Sarah bat Beti Rivka, Betor Shar Cholé Israël. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Minachot, Perekret, Mishnah Zayin. Lo Hayu Konsim Oto Bachatzavim Gedolim, Ela Bachaviyot Ketanot. Beno Memalet Achaviyot Ad Piem, Kedei Sheye Recho Nodef. אין הוא מביא לא מפיה מפני הקמחים, ולא משוליה מפני השמרים, אלא מביא משלישה ומאמצעה. כיצד הוא בודק? הגזבר יושב והקנה בידו, זרק את הגיד והקיש בקנה. רבי יוסי ורבי יהודה אומר, יין שעלה בו קמחים, פסול, שנאמר, תמימים יהיו לכם ומנחתם, תמימים יהיו לכם, on continue à parler de la qualité du yaïn apporté, du vin à apporter pour les oblations de vin. Chaque fois qu'on fait un korban, pour la plupart des korbanot, il faut apporter une oblation de blé et aussi une oblation de vin. On montait sur le misbéar, il y avait là-bas les chitines, deux trous, un des deux trous que l'on utilisait, on versait le vin là-bas et ça tombait au socle du misbéar en dessous. D'accord ? Maintenant, on a appris qu'il fallait choisir le meilleur vin, de la meilleure qualité. Dans la mission précédente, on s'intéressait plutôt à la région et au type de raisin qu'il fallait apporter. Dans notre Mishnah à présent, on va apprendre comment il fallait conserver ce vin pour qu'il garde toute sa saveur. D'accord ? Bien sûr, je ne connais pas d'abord le procédé du vin à notre époque, et je suis sûr que ça a changé à notre époque, on a d'autres techniques pour tout faire. On va essayer de comprendre au mieux ce qu'il y a écrit. Vous allez être étonné par certains petits détails qui vont être précisés pour que le vin garde sa saveur. Lo hayu konsim oto bachatzavim gedolim ela bachaviyot ktanot. Tout d'abord, lo hayu konsim oto, on ne le stockait pas, ichnos, comme faire entrer, c'est-à-dire on ne réunissait pas, on ne le stockait pas, bachatzavim gedolim, dans des très grands tonneaux, ela bachaviyot ktanot, mais plutôt dans des petits tonneaux, des petits fûts. Le but de ça, il est très simple, c'est que, alors, dans le Barthénora, il va juste nous dire que plus l'ustensile va être grand, plus le vin va perdre sa saveur. On ne comprend pas tellement pourquoi. Le Tiferet Israël rajoute quelque chose d'important. Parce que si le tonneau il est grand, alors forcément on va venir plusieurs fois récupérer du vin. À chaque fois qu'on va venir, qu'on va ouvrir la bouteille, le vin il va perdre sa saveur. Tout simplement, faites le test chez vous-même avec un paquet d'épices. Des épices qui viennent d'être moulues, en général, c'est à l'approche de Pessah. On achète les épices qui sont encore toutes fraîches, parce qu'il fallait bien les surveiller pour le Hametz. Et ouvrez le paquet, vous allez voir votre poivre, ça n'a aucun rapport avec le poivre que vous mangez dans toute l'année, justement parce qu'il prend l'air à chaque fois et il perd sa saveur. C'est le même principe, avec le vin, il perd toute sa saveur. Veno memale et achaviot ad piem, kede sheye rechonodef. Attends. Veno memale et achaviot, il ne remplira pas la chavit, le fût, ad piem, jusqu'en haut, kede sheye rechonodef. Littéralement, afin que. Au point que son odeur va se disperser. J'explique d'abord le principe. Après, apparemment, il y a deux manières de lire la Mishnah, selon Barthénora, Tifat Israël. Le principe, en tout cas, c'est le même. Lorsque l'on remplit un fût de vin, le vin, il a naturellement une saveur. D'accord ? Il dégage une odeur. Cette odeur, elle est bonne, elle est positive, elle est agréable. Si on va remplir le tonneau au maximum, cette odeur, elle va finir par sortir, elle va transpercer, malgré elle, elle va parvenir à transgresser les parois du vin et à sortir complètement dehors. Or, on veut que lorsque tu apportes le vin, que le vin, il soit tout bien parfumé, aromatisé, et de ce fait, lorsque tu remplis ton fût, tu dois laisser là-bas une place, un espace vide, de manière à ce que l'odeur qui va s'évacuer du vin, elle va rester à l'intérieur du tonneau. D'accord ? Comment lire cette phrase maintenant ? Alors, c'est un peu flou, en fait. Le selon de Barthénora, tel que j'ai compris, c'est le mot kédé, comme je l'ai traduit d'ailleurs, afin que ou au point que, en fait. Le Barthénora, apparemment, il semble vouloir expliquer la phrase comme ça. Tu ne rempliras pas le fût de vin au point où l'odeur va s'évacuer. Et le Tiferet Israël va expliquer, tu ne rempliras pas le fût afin que son odeur va s'évacuer, et lorsqu'au final, tu vas récupérer le vin pour l'apporter, qu'il y aura une odeur savoureuse qui ne se sera pas éparpillée, évacuée auparavant. D'accord ? C'est le même principe, en tout cas. On continue. Kedei eno mevi lo mipiha mipenei akmachin velo misholea mipenei ashmarim. Il n'apportera pas le vin
l'omipia, ni du haut du fût du vin. Pourquoi? Mipneak machin, littéralement, à cause des farines, c'est-à-dire, je continue d'abord, velomisholia, et ne pas, non plus, il ne prendra pas le vin qui se trouve tout au fond du fût. D'accord? Mishulea, les shulaim, c'est le bas du fût. Mipenei Hashmarim, à cause des impuretés, d'accord, toutes les impuretés qu'on trouve dans le vin. C'est-à-dire, vous imaginez bien le vin, surtout à l'époque, avec les techniques d'époque, même aujourd'hui, ça se trouve encore, en fait. On voit encore certaines impuretés qui flottent dans le vin. Alors, on écrasait le vin. Il y avait là-bas des petites impuretés très fines, qui, elles, avaient tendance plutôt à vouloir flotter haut. Et il y avait des impuretés lourdes, toutes sortes de peaux et tout ça, que eux auraient retombé vers le bas. Et on te demande d'apporter le vin de la partie du milieu, mais sûrement pas de la partie qui frôle le haut, afin que tu ne récupères pas dans ton vin soit ce qu'on appelait des farines, qui sont farineuses, c'est-à-dire les petites impuretés fines qui flottent, ou soit les impuretés lourdes qui sont vers le bas. Donc, d'où tu vas prendre ton vin, comment tu vas faire? Et la mevi mishlisha ou me'emsa, il devra apporter. Alors, de son tiers et de son milieu. C'est une phrase floue que cette fois-ci, Tiferet Israël, le Tosfot Yom Tov, il explique en fait que tu vas prendre de son tiers, de son milieu. Tu prends le tiers du milieu et là-bas au milieu, tu vas planter ton robinet. C'est-à-dire, il y avait là-bas le fût, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, dans les vraies caves où il y a des fûts, en tout cas, à l'époque c'était comme ça, il y avait une sorte de ce qu'on appelait un barza, comme aujourd'hui un bérez en niveau moderne, un robinet, que là où on voulait ouvrir le fût, eh ben, on prenait ce robinet, on le vissait, on le faisait entrer, et de là, le vin s'écoulait. Et en fait, la Mishnah enseigne qu'il faut que tu prennes du tiers du milieu, et là-bas, à son milieu exactement, tu plonges d'abord le robinet, de manière à ce que tu vas retirer que le vin de très bonne qualité, et le reste, tu ne l'apporteras pas pour le menachot, parce qu'il y aura forcément soit des kmachim, soit des shmarim, soit ces impuretés fines qui flottent, soit les impuretés lourdes qui tombent vers le bas. D'accord? Alors, la Mishnah maintenant, elle continue en me disant, je commence par traduire la phrase, elle est complètement, presque illisible, on a du mal à comprendre de quoi on parle en fait concrètement, et en fait on va l'expliquer ensuite. Ketsad Obodek, comment devra-t-il vérifier? Quoi? Bonne question. A Gizbar Yoshev, le Gizbar, c'est le trésorier du Beth Amikdash, est assis, Vea Kane Beyado, et il a une canne dans la main. Kane comme une canne, c'est d'ailleurs les canes souffles. C'est la même canime qui sortent du sol, ça s'appelle aussi la canne, des roseaux quoi. Donc Vakane, il avait une canne dans la main, c'est pour montrer que c'est lui le dirigeant, le boss, c'est lui qui tient la canne, le bâton. De temps en temps, il frappe sur les doigts, il frappe sur les têtes, il frappe sur les tonneaux, d'accord? Ça montre la chashivut, la distinction. Et donc, la Mishnah me dit, eh bien, comment il devra vérifier? On ne sait pas vraiment quoi, en réalité on s'apporte sur le fait. Puisque tu as planté ton robinet et que le vin va commencer à s'évacuer, le but en fait il est de nous dire à partir de quand le Gizbar va-t-il comprendre que là on est arrivé au Kmachin, aux petites impuretés, et donc qu'il faudra arrêter de prendre du tonneau. Alors, à Gizbar Yoshev, le Gizbar est assis, Vakane Beyado, et il a la canne dans la main. Et bien sûr, il y a quelqu'un d'autre qui est là, et qui a vissé le robinet, et qui est là en train d'extraire le vin pour remplir les ustensiles pour faire l'oblation. Et alors, Zarak est à guide. Je ne sais même pas comment le traduire. Il a jeté, littéralement, il a jeté le guide. C'est un air, ça veut dire il a jeté ce qui s'écoule comme ça, de manière. D'accord? Comme si, imaginez, vous avez une bouteille, vous faites un trou, vous allez avoir, elle va. Il y a un mot aussi que je n'ai pas envie de dire, donc. D'accord? Vous m'avez compris, comme ce qu'on fait aux toilettes. Ça va sortir comme ça d'un coup, d'un trait. Et donc, ça, c'est Zara qui est à guide. Elle a jeté son. Le tonneau commence maintenant à faire sortir son liquide. À flot. Et alors il y a une phrase là bizarre qui me dit Vehikish Bakane, il va frapper avec sa canne et ça s'arrête. Là, de cette phrase, on est censé comprendre comment le Gizbar est là, il vérifie le fait que on a fait le trou donc dans le tonneau commence à faire sortir son vin, et dès qu'on va arriver au Kmachin, dès qu'on va voir des Kmachim, des impuretés qui vont commencer à sortir, là il y a un problème, on compte sur le Gizbar pour qu'en fait il va résoudre le problème, il va interrompre en fait, logiquement il va devoir interrompre l'évacuation du vin maintenant de ce tonneau, parce que ça y est, on a extrait ce qu'il fallait extraire, qui était parfaitement bien propre
Et savoureux. Et maintenant, ça y est, on va passer à un autre tonneau. On veut la fine fleur pour le Batamigdash, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire en fait concrètement avec sa canne et c'est quoi cette histoire? Et puis après, il frappe avec la canne. Où il frappe et qu'est-ce qu'il fait? Deux interprétations dans le Martin. La première, c'est à partir du Rambam, qui n'est pas comme la Gemara, c'est étonnant d'ailleurs. C'est fréquent, en pire, je viens du Rambam, qui quitte la Gemara pour expliquer ça de manière plus lisible et facile pour le peuple. Alors, selon le Rambam, en fait, c'est qu'il est là, il contrôle. Lui, bien sûr, il n'est pas les mains à enfoncer le robinet. Lui, il est là de côté avec sa canne. Et dès qu'il voit que c'est à lui et qu'il y a une petite impureté qui sort, il frappe sur l'impureté pour l'évacuer. C'est ce que la Mishnah lui nous enseigne. En fait, la Mishnah n'explique pas comme ça. La Gemara n'explique pas comme ça. C'est justement ce que le Barthénora rapporte. Vera Botaï Pircho et mes maîtres ont enseigné, qui en fait rapporté comme ça dans la Gemara. C'est ce qui finit d'ailleurs d'Achim et Fashla Bagmara. Comme ça, c'est explicité dans la Gemara. Qu'en fait, non. Le Gizbar, lui, est là. Et il a le travailleur, enfin celui qui est à côté de lui, là, qui est en train de mettre le robinet. Et il va voir le vin qui va s'évacuer. Et dès qu'il va avoir une impureté, il va mettre un coup sur le tonneau. Pour que l'autre comprenne qu'il doit arrêter d'extraire le vin. Ça y est, on a atteint ce qu'il fallait atteindre, le vin parfait, propre, et c'est tout, tu t'arrêtes là. D'accord ? Donc le but, en fait, avec son canne, avec sa canne, c'est de prévenir la personne qui est en train d'extraire le vin de s'arrêter. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas parler ? Pourquoi il est obligé d'utiliser sa canne ? Alors là, la Gemara me dit quelque chose de vachement étonnant, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais la Mishnah me dit, je lui dis les mots, mais là, il emmerde le storm, il ne disait pas à l'autre, il lui disait, storm, ça y est, ferme. Pourquoi ? Les fiches à Dibourg cachées à la Yaïn. Parler à côté du vin, eh ben, ça fait perdre la saveur du vin. Je sais pas, c'est dur pour le vin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le vin, il perd sa saveur? Je sais pas, il a une mauvaise haleine et ça se mélange. J'ai pas compris, d'accord? En tout cas, comme ça c'est écrit. Il y a des choses qui sont marquées fréquemment autour du vin. Dans ma Babatra spécialement, il y a 3-4 papiers dans la Gemara là-bas. Ils avaient un rapport avec le vin très différent d'une autre. Nous, c'est une boisson alcoolisée, tout simplement. Et chez eux, c'était tout un procédé, presque un culte, en tout cas, tout un... Pour que ça garde bien la saveur, il ne fallait pas parler à côté du vin, il fallait être humble, sinon le vin, il pouvait tourner. Enfin, voilà. Nous, on traduit la Mishnah et on avance. Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda Omer, Yain Shala Bok Machin Pasoul, Sheneemar Timimim Yolachem, U Minchatam, Timimim Yolachem, Veniskele. Selon Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Yain Shala Bok Machin, du vin qui nous a fait monter des impuretés, c'est-à-dire qu'il y a eu donc ces petites impuretés fines qui ont commencé à s'écouler, Pasoul, en l'état, maintenant on précise, je ne sais plus où, c'est plus lui, je l'ai vu en tout cas, en l'état tel quel, avec cette impureté, le vin, il est inapte à fermenter sur le misbéach. Il faut nécessairement extraire l'impureté. Chez Neymar, comme nous dit le verset, regardez la juxtaposition qu'il a trouvée, Timimim Iyulachem Omin Khatam, pour les Menachot, les oulations de blé, et à la Mishnah nous a dit qu'ils devront être Timimim, intègre, parfait. Et de la même manière aussi, la Mishnah me dit, Timimim Yolachem Veniskehem. Ils seront intègres pour vous avec leurs Nesachim, avec leurs oblations de vin. Et de là, j'apprends qu'il y a aussi un principe d'être intègre. Autant qu'un animal ne doit pas être un Baal Moum, ne doit pas avoir un défaut, idem aussi ton vin ne doit pas avoir de défaut, c'est-à-dire ne doit pas avoir des impuretés qui sont mélangées. Il doit nécessairement être très propre. Le Barthénois nous rallonge encore pour nous expliquer encore. Que depuis le début du Pérec, on a parlé d'où apporter l'huile, comment la choisir, d'où apporter le vin, d'où apporter le blé. Et en réalité, il y a la Gemara qui nous rapporte, qui va nous préciser d'où apporter aussi les moutons, les vaches, d'où apporter les oiseaux pour les gozalotes, les torim ou bneyona, les tourterelles ou les pigeons, de quelle région d'Israël les apporter. La Mishnah le fait, elle nous le précise tous aussi. Nous, pour notre Mishnah, on a fini maintenant le sujet. Dès demain, Bezrat Hashem, on va passer maintenant à un autre sujet en rapport avec les Menachot, dans le Perek Tet, Bezrat Hashem. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une pleine Hatzlacha, Kol Tov, Salam.